Bonjour, donc là on va tester le filetage en 19 filets par pouce. Donc j'ai installé les pignons, puis on va voir si faire un test pour voir avec l'outil à retomber dans le pas, pour voir si on retombe toujours dans le pas. Alors j'ai fait une méthode, on va bien voir si ça marche. Hein. Donc si ça fonctionne, on pourra l'utiliser pour le tour, pour le tarot, je veux dire. Et donc je voulais déjà tester ça. Sinon, il faudrait que je fasse avec la manivelle. Bon. Alors là, j'ai pris un bout d'alu, j'ai crayonné au noir, bien entendu. On va regarder si on tombe sur le bon filetage avec le peigne. Voilà. Et si on retombe toujours pareil, c'est ça le truc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, en fait, j'ai fait un repère unique sur ma couronne de système à retomber dans, de dispositif à retomber dans le pas. Ce qui fait comme ça, normalement, si je retombe toujours au même endroit, peut-être que ça va aller. Hein. C'est un test. Hein. 19, on va regarder le peigne. Hein, le peigne, voilà, du 19. Faut que je montre en même temps parce que bon, souvent, bah, je fais ça. Voilà. Alors, lequel que c'est le 19? Ça doit être celui-là. 19, voilà, G. Voilà, on va prendre celui-là. On va regarder si ça tombe bien en face déjà et voir si on peut faire un filetage sur un bout d'alu avant d'attaquer carrément sous de l'acier. Donc, alors, on y va. J'ai mis mon outil spécifique. J'ai mis 30, la position des 30 degrés comme prévu. J'ai bloqué le chariot transversal. J'ai tangenté. Voilà. Donc, normalement, ça devrait aller. Allons-y. Donc là, je peux me mettre un peu plus en avant, voilà. J'embraye. Voilà. On va mettre un petit peu plus. Ah, je pense que ça devrait être bon. Donc on va attendre un tour complet. Hein. Alors c'est un peu plus long bien sûr, mais enfin ça évite de le faire à la main. On va voir si ça va à chaque fois. Donc apparemment ça marche. Hein. Donc voilà, on va mettre 0,2, on va mettre 0,3, on va y aller. Hein. On va faire le filetage, voir si ça va. Hein. Donc on attend qu'on soit en face du repère et on embraye. Voilà, j'étais un peu. Alors on se met assez loin quand même, parce que si on embraye un petit peu plus loin, ça risque de pas aller. Hein. Voilà. Quand on utilise le système à retomber dans le pas, on se met bien à peu près un bon centimètre avant, hein, pour être sûr, parce que si on embraye un peu vite et puis qu'on est trop près et puis qu'on est légèrement décalé par rapport à la ligne, hein, je sais pas si vous voyez le truc, voilà, il est là, voilà, là il tourne là, vous allez voir leur paire qui passe en face là, donc il faut vraiment être en face du repère. Parce qu'on peut très bien embrayer un petit peu avant ou un peu après, hein. Donc il faut quand même se méfier. Hein. Voilà. Donc voilà, on va essayer comme ça. Donc là, je n'ai pas changé les pignons de système à retomber dans le pas. On est toujours en pignon métrique, hein, normalement. Ouais. Donc là, j'ai mis 0,3, on va mettre 0,4. Voilà, on va y aller. On ne va pas mettre de lubrifiant, hein, histoire de voir ce qu'on fait. Hein. J'ai mis du noir. Alors tant que je vois du noir, je vais faire le filetage. Hein. Là, je suis prêt à embrayer, là, j'embraye. Hop.
Donc là, voilà, pour l'instant ça a l'air d'aller, on peut mettre un petit peu de brosse dessus si. Et que ça colle pas. Voilà. Encore 2 dixièmes, allez, 2 dixièmes. Prêt à embrayer. Tac, j'embraye. Toc. Un bon centimètre avant. Hein. Allez, on va remettre encore 2 dixièmes. Pour l'instant, je suis à 0,8. Un bon centimètre avant, 0,9. Prêt à embrayer, on embraye. Encore un peu, hein. On n'y est pas, hein. Embraye. On va pas être loin. Hein. Il reste encore un peu de noir. On va mettre encore 1 dixième. Allez, prêt à embrayer. Alors, voyons, on est bien en pas de 19, il n'y a pas de problème, donc on est bon. Ça va impeccable. Donc là, bah, le filetage, il est parfait, hein. Alors peut-être que je pourrais y mettre encore un tout petit coup, quoique ça a d'être pas mal. Alors, je suis avancé d'à peu près 0,9. Alors là, j'ai pas regardé, j'ai pas mesuré. Il faudrait que je regarde par rapport au... Je vais prendre un qui est déjà fait. Voilà. Bien sûr, ça va pas être tout à fait... Ouais. Ça m'a l'air d'aller. Ça m'a l'air d'aller. Ah, est-ce que j'ai quelque chose à visser là-dedans? Bon, ça se visse. Bon, il y a du jeu, hein, parce qu'en fait, c'est pas le bon diamètre. Hein. Là, je suis en 12 et il faut 12,70. Hein, donc, il y a du jeu. Hein. Bon, enfin, ça se visse. Hein. Là, c'est un test avec une barre d'alu. Hein. Voilà, le prochain que je ferai, ça sera en 12,70. Donc, il n'y aura pas de jeu, mais ça se visse. On est dans bon filetage. Là, on est en bien en 19 pas. Ben, voilà, donc là, ça se visse impeccable. Donc, c'est faisable avec le dispositif à retomber dans le pas. Donc alors je vais expliquer comment j'ai fait quand même, hein, parce que bon, le principe c'est d'expliquer. Donc j'ai installé, donc vous avez vu la barre d'alu, alors là c'est du 12, j'ai testé qu'une barre que j'avais, c'est celle que je teste d'habitude des filetages. Hein. Le système a retombé dans le pas, j'ai un disque qui est conçu en fait, voilà. J'ai prévu un disque en fait. Ici, vous voyez le disque, là. Eh bien, il est vierge. Ce qui fait comme ça, je fais le repère que je veux. Hein? Et là, il suffit d'embrayer n'importe où. Vous embrayez n'importe où l'avance auto. Voilà. Alors, avant ça,
Voilà, on fait comme ça. Et ensuite, eh ben, on fait un repère sous le disque. Voilà. On a installé nos pignons, comme j'ai montré les pignons. Alors, bon, je remonte encore un coup les pignons parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien voir les pignons. Bon, le système a retombé dans le parc installé. Donc, il est. Là, je n'ai pas changé de pignon. Je suis toujours en pignon de 30, hein, donc qui est sur la. Alors, le principe, c'est que ça fasse un tour complet. Donc, là, un tour complet, là. Donc, là. Ben, on a installé les pignons pour le 19, 19 pas, 19 filets par pouce, hein, on est d'accord. Donc la triplette. Hein. Alors, pour ceux qui n'ont jamais osé ou qui ont peur de changer les pignons, alors, il faut toujours faire attention qu'il y a du jeu dans les pignons au montage. Il faut toujours qu'il y ait du jeu. Ça veut dire que vous ne les mettez pas à fond de gorge. Hein. Et ensuite, vous serrez suffisamment quand même, pas non plus comme un bourrin, hein, pour que pas que ça bouge. Hein, et puis, bah, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà, donc les pignons sont en place, hein, de toute façon. Donc alors, j'ai bien regardé. Donc là, quand on a un tour de fait, un crayon là, on crayonne là, on voit bien qu'il y a un tour ici. Donc on a un tour complet. Alors ça nous oblige à attendre un tour complet, mais bon, je tourne quand même à 210 tours, ça va quand même assez vite. Et on est capable de faire un filetage quand même assez rapidement. Hein, donc voilà. Donc là, je suis en pas impérial, donc en pas impérial avec les 19, hein, 19 par pouce. Hein. Donc là, on voit que ça va très très bien. Voilà, impeccable. Donc c'est bon. Donc je pense qu'avec le principe, on peut faire comme ça. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de problème à partir du moment qu'il n'y a qu'un seul repère. Donc il suffit d'avoir un disque comme ça. Alors moi, d'un côté, j'ai 4, un j'ai 5, l'autre j'ai 6. Et celui-là, ben, je le fais, c'est moi qui le fais avec un crayon, un coup de crayon noir dessus, pour faire mon filetage. Voilà, c'est tout. Donc comme ça, ça m'évite de le faire. Hein, je ne vais pas faire un pignon spécifique pour un filetage impérial, ça ne m'intéresse pas. Hein, moi, j'ai déjà deux pignons là, qui me servent pour faire tous les pas métriques. Et ben, les pas impériaux, je vais m'emmerder. Donc il suffit de prendre un disque comme ça. Si vous avez... bon, c'est pour ça que j'en ai deux. J'ai celui qui est là, qui est en 5 et 6, celui qui est là en 4 et 1. Voilà. Donc comme ça, ben, j'ai deux, ben, je peux faire tous les filetages, pour ainsi dire. Voilà. Donc même impérial, on peut le faire. Donc avec l'outil rétractable, ben, ça va tout seul, hein, donc pas besoin de s'emmerder. Là, j'avais bloqué donc, le chariot transversal. Donc le chariot transversal bloqué, on n'y touche pas. Une fois qu'on a tangenté, on met à 0. Hein, pour, comme ça, on est sûr qu'il ne bougera pas. Hein, on est, comme ça, on a toujours le 0 en face. Hein. Hein, bon, il y a toujours le rattrapage de jeu, bien sûr, on s'en fout. Et puis, ben là, il est bloqué, il n'y a pas de risque. Voilà. Donc voilà, pour faire le filetage, je pense que ça ne posera aucun problème. Donc, c'était pour tester avant de faire mon tarot, pour voir si je pouvais le faire comme ça ou pas. Hein, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, ben voilà, ben, ils peuvent faire ça. Hein. Donc, il suffit de faire un repère. Alors, moi, j'ai un disque avec un seul repère, c'est parce que, bon... On pourrait utiliser un disque avec plusieurs repères, mais le problème, c'est que puis marquer un repère bien spécifique avec une couleur, faut pas se tromper, quoi. C'est ça, faut pas faire l'erreur d'embrayer sur un mauvais. Hein. Donc, quand il n'y en a qu'un seul, ben, c'est pas plus mal. À la limite, comme ça, ben, à la limite, je pourrais le graver, celui-là. Hein, je pourrais le graver, puis comme ça, je le retourne. Quand je veux faire un pas impérial, par exemple, ben, j'ai qu'un seul repère. Alors, il faut attendre qu'il fasse un tour complet. Alors, ça peut aller assez vite si vous revenez vite en arrière, parce que le temps qu'il fasse le tour... Eh ben à ce moment-là, vous avez le temps de rembrayer. Donc voilà. Donc là, j'ai pris mon temps. Il y a le temps de faire un tour, un petit peu plus d'un tour. Alors du coup, voilà. Bon, il faut attendre qu'il ait fait deux tours. Donc voilà pour le test. Donc c'était juste pour tester en attendant. Hein. En attendant, voilà. Donc petite vitesse. J'ai mis 210 tours. Hein, 210 tours sur la poulie au milieu là et la poulie du milieu là-bas. Hein, donc voilà. Hein. Alors, je laisse comme ça en général sans le carter quand je fais des petits trucs où les copeaux ne giclent pas, où il n'y a pas de risque que ça s'enfile dans les pignons ou quoi que ce soit. Quand je vais faire de l'usinage sur de l'acier au chrome par exemple, là je vais mettre le carter parce que ça fait des fils, ça fait des grands copeaux qui peuvent s'enrouler là-dedans et ça pourrait abîmer quelque chose. Mais comme je l'ai dit, moi il y a un truc qui est super bien sur ce tour-là, c'est qu'on a un pignon en plastique ici. Et si on vient à bloquer quelque chose, c'est le pignon qui va, bah, qui va débrayer. Ça veut dire que le pignon va casser ou les dents vont s'abîmer. Donc ça évitera de peut-être casser des dents sur les pignons en métal, en acier. Voilà.
Donc voilà pour la vidéo. Si vous avez des questions à poser, ben, vous pouvez me les poser. Sinon, on peut le faire à la manivelle aussi, c'est faisable. Hein. La manivelle, je les faisais avant la manivelle. Donc là, c'est quand même plus pratique, ça va plus vite. Hein. Puis on force moins, surtout que là, c'est de l'aluminium, c'est facile. Mais quand ça va être de l'acier, les dernières passes, il va falloir y aller tout doucement parce que c'est de l'acier dur. Donc c'est de l'acier au chrome, chrome molybdène, tout ça, donc c'est costaud. Hein. Donc ça se trouve, je ne peux pas prendre un dixième par un dixième à la fin. Hein. Je vais être obligé de prendre 5 centièmes par 5 centièmes pour arriver à pas trop forcer, quoi. Donc à voir. Hein. On verra ça à la suite, hein, pour voir ce que ça donne. Hein. Il faut que je regarde la profondeur du pas aussi, là, combien ça donne. Hein, parce que normalement, j'ai regardé, c'est pas un pas profond normalement, mais là, j'ai l'impression que ça fait plus d'un millimètre. Hein. Donc, au niveau du rayon, ça donne. Alors, si j'ai à peu près mesuré comme il faut. Alors, j'ai commencé à tangenter à 0,1. Peut-être ça fait 0,8. Je dirais 0,8 de rayon. Donc, ça ferait un 6. À peu près un 6. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un truc au bout comme ça. Je vais mettre ça comme ça dedans. Puis, je vais regarder la profondeur. Pour voir. Ça a l'air d'être pas si profond que ça quand même, à moins que j'ai été un peu plus profond que la normale. Hein, entre le bout du filetage et l'intérieur pour voir combien il y a. Peut-être que j'étais un peu trop loin là. C'est possible, hein, donc il faudra que je fasse attention. Alors j'ai toujours un truc pour visser dedans, vous avez vu, donc là ça sera bon pour visser. Hein. Là on n'est pas loin, hein, entre 12 et 12,70, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein, en fait on voit que ça se visse, hein, malgré que là il y a trop de jeu, hein, voilà. Donc c'était pour tester, hein. J'ai pas du 12,70 ni du 13, donc c'était pour voir si on retombait bien à chaque fois dedans, s'il n'y avait pas de soucis avec les démultiplications et tout. Moi les pas impériales j'en ai jamais fait comme ça, j'en ai déjà fait à la manivelle mais jamais avec l'outil à retomber dans le pas, donc je voulais tester pour voir. Hein. Je voulais tenter le coup et puis apparemment bah, ça fonctionne très très bien. Bon, vous avez vu l'installation, c'est facile à installer. Hein. Je ne le laisse pas en permanence dessus parce que bon, il y a toujours de la saleté qui va dessus et tout. J'ai juste une vis à démonter là, parce que moi, je n'ai pas percé en fait. Hein. Là, il n'est pas percé. C'est un support que j'ai adapté, puisqu'ici, il y a deux trous. En fait, il y a deux trous de vis. J'ai mis deux petites vis pointo là, qui rentrent dans les trous de vis. Et il y a une vis qui sert au bout là, qui va jusqu'en dessous là avec un crochet. Voilà. Et ça bloque l'ensemble, ça ne bouge pas. Voilà. Donc ça me permet d'avoir un tour qui n'ait jamais été modifié quelque part. Ça, je pourrais le démonter, on voit rien. Voilà, donc il n'y a pas de trou de fait, quoi que ce soit. Surtout que là, c'est toujours embêtant parce qu'il y a tout un système là au niveau de l'avance. Donc faire attention de ne pas percer trop loin, celui qui veut s'amuser à faire juste un trou. Hein. Alors, moi, je n'ai pas pris le risque, j'ai fait carrément une patte. Puis c'est tout. Hein. Voilà. Donc ça, je l'avais montré en vidéo pour ceux que ça intéresse. L'outil a retombé dans le pas. Voilà, bon. C'est toujours utile quand on fait du filetage de l'avoir, hein, parce que sinon ben, on s'embête un peu à couper le moteur, à remettre en route. Là, on n'a pas besoin, on débraye à chaque fois, c'est quand même plus pratique. Hein. Donc voilà pour le filetage en 19 filets par pouce impérial. Donc voilà, hein, donc, ben, ça marche. Ça fonctionne, donc il n'y aura plus qu'à faire sur l'acier. L'acier dur. Et puis de tremper en plus pour voir ce que ça donne, si on peut. Alors c'est sûr que ce que je vais faire, ça va aller dans l'alu, ça va aller dans le laiton, il n'y a pas de problème. Mais dans l'acier, je ne sais pas. Hein. Après, bon, c'est sûr que si c'est trempé, c'est quand même costaud. Hein. J'ai déjà trempé de l'acier comme ça, du 45 NCD16. C'est un peu le même genre d'acier. Alors peut-être que je vais le faire avec celui-là, parce que j'en ai aussi. J'ai fait un pointeau avec, je peux dire qu'il est très très costaud. Hein. C'est de l'acier qui est très très dur une fois trempé. Et il ne casse pas facilement, parce que je l'ai trempé, je ne l'ai même pas recuit derrière. Hein. Donc en fait, bah, je vais peut-être le faire avec là, ça dépend de la dimension, parce que là, en 40, le 40, là, je regarde encore à chaque fois les termes, hein, c'est chiant. Hein. Celui-là, je l'ai en 21, 20 et 21. Alors si je peux l'avoir en 15, ce serait pas mal, ça m'éviterait de faire trop de passes pour arriver au bon diamètre. Donc voilà, donc on va voir la suite au prochain épisode. Hein. Donc là, ça c'est juste pour un petit test. Voilà. Comme ça, je saurai. Hein. Donc je vais regarder la profondeur du filetage quand même pour être sûr. Hein. Normalement, pour être sûr que quand je vais le faire, je vais déjà mesurer la profondeur pour être sûr de ne pas aller trop loin. Hein, m'arrêter au bon endroit et peut-être retoucher
les derniers pas, comme j'ai fait la dernière fois, toujours refaire un petit coup. La dernière passe, vous le faites plusieurs fois pour être sûr d'enlever tout, hein, jusqu'au fond de la gorge. Passer peut-être un coup de papier pour que, voilà, puis après repasse encore un coup pour être sûr qu'il n'y a plus de bavure, rien du tout, pour pouvoir visser, que ça visse juste. Voilà. Donc ça, c'est une solution, hein, quand on fait autour, c'est bien de le faire. Donc là, je vais laisser le dépassement minimum de l'outil, hein, ça veut dire 2 cm, hein, donc là, je l'ai mis à ras ici, là, à ras de la tourelle, hein. Donc normalement, il y a très peu de porte-à-faux, ça devrait gazer, je pense. Et on lubrifiera comme il faut, hein. Quand on est dans l'acier, il faut bien lubrifier, contrairement à l'aluminium, où on peut s'en passer quand même. Il suffit de brosser un petit peu la pointe de temps en temps, et puis c'est bon. Malgré que sur l'outil à fileter, c'est quand même, il n'y a pas de gorge, comme sur les plaquettes, hein. Il n'y a pas de petit casse-copeaux, hein. On est plat, on est lisse au bout, sur ceux-là. Sur celui-ci, hein, j'en ai des autres, c'est pas pareil, hein. Il y a une gorge au fond. Il y a une espèce de petite, un truc pour casser les copeaux. Là, il n'y en a pas. Donc, à la limite, peut-être que l'aluminium ne se colle pas tellement là-dessus. À voir. Donc, allez, je vous laisse ce coup-là sur cette vidéo de filetage. Encore une vidéo de filetage, mais qui est intéressant parce que là, on passe en pain impérial. En pain impérial, c'est le truc que je n'ai jamais montré. Si une fois, j'ai montré une fois sur une vidéo, j'en ai fait un. En 18. Hein. Donc, ici, c'est voilà pour ceux qui veulent savoir, je l'ai fait avec ça. A, B, C, D, E, F, voilà, G18, en 18 filets par pouce. Donc ici, j'ai mis 80H, 60-42, H75. On est, pour ainsi dire, pratiquement, je dirais, j'ai fait une vis qui est grande comme ça se visse. Mais bon, normalement, c'est pas ça. Hein, mais j'ai trouvé cette formule-là, et ça se visse, donc ça va. Alors, il y a peut-être un tout petit poil d'écart. Mais bon, en fonction du filetage que vous allez faire, si vous laissez un tout petit poil de jeu, ben ça rentre, il n'y a pas de problème. Donc moi j'ai fait ça marche très bien. Donc pour celui qui a le même tour que moi, hein, avec les mêmes pignons, le 2304, hein, les mêmes pignons, ça veut dire des pignons en module 01, hein, donc et ben il va pouvoir, ça veut dire que en général le pignon du bas c'est du 90, hein, donc 90 dents. Pour un diamètre de. Alors, diamètre c'est 92. Il y a toujours 2 mm de plus. Voilà, vous voyez le jeu qu'il y a? Le jeu que j'ai laissé. Alors, c'est pour ça que quand on entend tourner, on entend toujours un petit peu graillonner, hein, les pignons, surtout quand on est en filetage, parce qu'on tourne doucement, puis il y a du jeu. Donc, c'est normal, hein. Après, quand vous n'en servez pas, vous débrayez, donc vous dévissez la vis là, vous retirez la lyre. Puis comme ça, vous passez, voilà, c'est ce que j'ai obligé de redéfaire, puisque de toute façon, faut que je redémonte, faut que je renlève tout, hein, pour pouvoir faire le chariotage. Donc on dévisse ici, on débraye ça, on resserre. Mince, dans l'autre sens. Voilà. Puis comme ça, ben, on est libre. On peut tourner. On n'entraîne plus la vis-mère. Alors bien entendu, avant de faire votre filetage, prévoyez toujours que la vis-mère soit huilée un petit coup. Surtout à l'endroit où vous allez travailler. Ça veut dire vous reculez le traînard. Hein, donc on enlève l'embrayage. Donc vous reculez, vous huilez l'endroit où vous allez. Alors il faut le assez loin quand même parce que l'embrayage se fait par là. Hein, ici, là, la noix se trouve ici. Donc vous huilez la vis, vous remettez rien, vous huilez la vis. Comme ça, vous allez travailler sur de l'huile. Hein, ça évitera l'usure, hein, l'usure de la noix, l'usure de la vis. Ça, faut y penser à chaque fois quand on utilise l'avance automatique. Hein, c'est pour ça que moi, je n'utilise pas en permanence non plus, parce que une fois que la vis sera foutue, une fois que la noix sera foutue, il faut tout changer ça. Est-ce qu'on pourra avoir les pièces au bout de tant d'années, est-ce qu'on pourra avoir les pièces? Parce que faire une vis comme ça, c'est pas, moi, je ne pourrais pas la faire de toute façon. Et la faire refaire, si on ne veut pas en trouver une, ou il faut l'adapter, ça va être plus compliqué. Voilà. Donc essayez de préserver au maximum votre vis. Donc huilez toujours bien. Il hein, faut toujours bien huiler. Il y a même un petit graisseur ici, vous mettez un petit coup d'huile. Ça tombe dans la noix qui se trouve à l'intérieur. Donc ça huile en même temps. Hein, voilà. Ça c'est une petite précaution à prendre. Hein, n'oubliez pas non plus de mettre un petit coup d'huile ici. Ici. Là. Il y a un huileur ici à l'intérieur. Là. Et un huileur ici. Toujours y penser. Parce que bon, si un jour il y a un grippage ou autre chose, ben voilà, vous êtes chocolat, quoi. Hein, donc vous allez bousiller tout. Et puis à un moment donné, c'est dommage, quoi. Ben voilà. Donc c'est une chose qu'il faut prévoir régulièrement. Un petit coup de pinceau
Vous nettoyez la vis de temps en temps quand il y a des saloperies. C'est pour ça que moi je mets ça aussi, parce que ça ne tombe pas directement dessus, hein, sur la vis. Donc, et là, vous pouvez la tourner à la main, hein. La passer un coup au pinceau comme il faut, et puis voilà, hein, comme ça vous êtes tranquille, vous pouvez faire votre filetage sans problème. Donc voilà pour les petites précautions à prendre, hein, donc rien de compliqué apparemment, hein, donc ça va se faire, je pense que ça devrait se faire. On n'a pas travaillé dans le même acier, je sais que j'ai déjà travaillé ce genre d'acier là en filetage, ces aciers durs, c'est assez raide quand même, hein, donc il va falloir être patient, c'est pour ça. Donc je ferai sûrement une vidéo pour vous montrer au départ, puis après je vais mettre en pause, puis je montrerai à la fin du filetage, parce que sinon, là il va falloir peut-être faire 10 passes, hein, pour arriver à faire ça, sur de l'acier, donc 10 passes ça peut être long, hein, donc voilà. Voilà, donc je vous laisse vos commentaires, à vos pouces, si vous avez des questions à poser là-dessus, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de problème, hein. J'essaie de faire au mieux, hein, d'expliquer au mieux. Des fois, je peux peut-être oublier des choses, hein, parce que bon, j'en dis tellement qu'à un moment donné, on oublie peut-être des choses aussi à dire. Et pour ceux qui commencent, eh ben, on n'est peut-être pas toujours tout à fait clair sur certains points. Donc, donc il faut bien expliquer comme il faut, c'est sûr, de A à Z. Mais bon, j'ai l'impression de me répéter quand je fais quelque chose. Hein, ben, après, bon, le nombre d'abonnés augmente. Donc il y a certains, ils n'ont pas vu les anciennes vidéos, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. Donc s'il faut éplucher toutes les vidéos, il faut du temps. Donc ils sont peut-être pressés de faire quelque chose, et puis ben, ils ne vont pas forcément regarder ce que j'ai montré. Donc ce qu'ils voudraient, c'est avoir quelque chose rapidement pour pouvoir faire quelque chose avec leur tour. Hein. Malgré qu'il ne faut pas être trop précis, faut pas trop se précipiter non plus. Hein. Il faut quand même bien étudier chaque chose quand on fait enfin un truc là-dessus. Parce que c'est dommage de louper des pièces, c'est dommage aussi d'abîmer quelque chose sur le tour, ou de faire une connerie, et puis qu'après, ben, acheter des pièces parce que vous avez bousillé des pièces sur le tour. Hein. Donc après, vous pouvez vous esquinter aussi en même temps au passage, c'est quand même des trucs qui tournent, il faut quand même faire attention. Hein, malgré que, comme j'ai dit, je ne mets pas la protection ici pour l'instant quand je fais des trucs comme ça, parce qu'il n'y a que la courroie qui tourne. Donc je ne m'amuse pas à mettre les mains là-dedans, on est d'accord. Hein. Moi, la main, elle va aller jusque-là maximum, elle ne va jamais aller là. Quand j'utilise le filetage, en général, il ne se passe jamais grand-chose, puisque le filetage, en général, ça ne fait pas des grands copeaux. Si je vois que ça fait vraiment des grands copeaux, eh ben, je mets le carter pour protéger, pour éviter que les copeaux, parce que des fois, ils giclent partout où il y a des machins, donc ça peut aller là-dedans. Et là, un copeau qui est coincé entre deux pignons, ben, ça peut poser problème. Hein, donc, ça pourrait abîmer. Donc, pour pas... Alors, je fais comme ça depuis longtemps, parce qu'au début, je mettais le carter, je l'enlevais, j'en mets... Ah, c'est le vrai bordel, quoi, au bout d'un moment... Alors, faut savoir que les anciens tours, ils n'avaient même pas de protection, hein. C'était des courroies, voilà, et puis les gens, ils travaillaient comme ça, hein. Donc, c'est une question d'habitude, hein. On ne met pas ses doigts n'importe où, et puis c'est tout, hein. À partir du moment que vous savez qu'il ne faut pas mettre les doigts là, de toute façon, il n'y a pas à mettre ses doigts là, puisque, à part changer la courroie, la vitesse... Mais à ce moment-là, le tour est coupé, le capot est levé, donc la protection est mise. Si vous avez peur, vous appuyez sur le bouton-là pour vraiment couper l'alimentation, pour changer votre vitesse, comme ça vous n'avez pas de risque. Hein, voilà. Et ça permet de voir si tout tourne comme il faut en même temps. Quand vous tournez la main, vous verrez que tout tourne comme il faut, il n'y a pas de problème, tout est bien en place. Donc c'est tout, hein, c'est le principal. Voilà. Donc allez, ce coup-là, je vous laisse, hein, dans ces petites explications, pour ceux qui s'amusent avec ça, hein. Comme moi, avec l'évite les filetages, bon, je veux dire, j'ai un peu tout essayé. Et puis, ben, pour l'instant, j'ai pas trop de problèmes avec le filetage. Hein. Moi, le foie, bon, ça a l'air d'aller. Alors, souvent, je fais du filetage de 1 et 2 mm, enfin, plutôt du 1 mm, parce qu'il n'y a pas besoin de système à retomber dans le pas, puisque je suis en vis-mère est à 2 mm, elle est en pas de 2, donc on retombe toujours sur ses pattes, c'est qu'à le dire, donc il n'y a pas besoin de ça. Le pas de 2 non plus, il n'y a pas besoin de ça. Mais enfin, le pas de 2, j'en fais pas régulièrement. Hein. Donc, c'est plutôt du pas de 1. Alors, je vais peut-être faire du 125 ou du 150. Déjà, du 175, ça commence à faire gros. Et puis, ben, dépasser 2, ben, j'en ai déjà fait, mais c'est vrai, très, très, très long, hein, à faire. Hein, donc, voilà. Donc, on va voir ça. Ça suit son cours. Hein, donc, voilà. Pour ceux qui veulent... Alors, j'ai fait une vidéo explicative pour voir ce que je voulais faire avec ça, hein, bien sûr, hein, juste avant, pour ceux qui veulent regarder. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, comme ça, vous pouvez voir la vidéo pour suivre de A à Z. Je vais mettre vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, s'il y a plusieurs vidéos dessus, hein, pour voir, parce qu'il y aura un passage autour. On va faire... il faut faire ça dans les... Dans le, on va faire ça dans une certaine...
dans une certaine, je veux dire, de A à Z. Hein. Ça veut dire qu'on ne va pas faire ça n'importe comment. Il faut déjà faire de telle façon à ce qu'on ne soit pas, on soit pas obligé de resserrer sur le filetage. Donc il faut bien faire attention, les opérations les unes derrière les autres. Hein. Donc on va bien faire attention. Donc on est obligé de passer du tour à la fraiseuse, de la fraiseuse au tour. D'accord? Donc on ne pourra pas faire tout au tour puis à la fraiseuse après. Hein, on va éviter parce qu'il y a un carré à faire au bout. Donc il y a un amincissement à faire, il y a tout à faire avant. Hein. Il y aura aussi les centrages pour pouvoir mettre la pointe à centrer quand on fait le taroudage. Enfin, il faut tout prévoir avant. Hein. Comme un tarot qu'on achète. Voilà. Donc allez, je vous laisse. Ce coup-là, 30 minutes, c'est bien, j'ai assez dit de choses pour le moment. Donc on verra la suite pour la fabrication, l'ébauche du tarot. Et puis ensuite, eh ben, on fera la fraiseuse. Et puis ensuite, on fera le filetage. Puis après, on fera la trempe, hein, la trempe du tarot. Et puis après, des tests du tarot. Voilà. Donc on fera des tests, voir s'il résiste ou pas, si c'est intéressant de s'amuser à en faire soi-même ou pas. Hein. Si on a les possibilités de le faire, bien sûr. Allez, je vous laisse. Allez, au revoir. Bonne journée, bon bricolage, à plus.